Bonjour frères et sœurs. On est aujourd'hui samedi 27 juillet. Je n'avais pas prévu faire un direct parce que je dois faire un léger déplacement. Je dois aller faire rencontrer des enfants ivoiriens quelque part. On m'a invité à venir leur raconter des histoires et puis leur parler de leur pays. Alors je suis en train de partir, mais j'ai dit bon, rapidement, je vais faire un direct qui va pas être trop long. Je vais rendre hommage à nos frères du Cameroun, à nos frères et sœurs du Cameroun, compte tenu de l'actualité Facebookale. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo aussi pour parler à la personne qui a défrayé la chronique. Elle ne m'intéresse pas vraiment, elle m'intéresse pas du tout. Et puis, je pense que la fraternité me commande de faire un message à nos frères et sœurs du Cameroun pour ne pas qu'ils se laissent emporter par ça et qu'ils pensent que c'est une façon de faire des Ivoiriens et que d'autres en colère disent des choses contre les frères du Cameroun, les frères et sœurs du Cameroun. Donc, je vais vous faire écouter une chanson pour rendre véritablement hommage aux frères et sœurs du Cameroun. Il faut qu'on leur fasse écouter une musique de leur pays. Alors, j'ai pensé à Moni Bilé. Moni Bilé, c'est un chanteur qui est plus âgé que moi, c'est vrai, mais c'est quelqu'un dont les chansons ont bercé mon enfance. Alors, on va écouter Ozitapalambolam pour rendre hommage à nos frères et sœurs du Cameroun. Et puis, je vais raconter une petite histoire pour illustrer ça. Alors, c'est parti. Là, vous ne pouvez pas dire que vous n'entendez pas, hein, parce que j'ai acheté des haut-parleurs. Moni Bilé, hommage aux Camerounais et Camerounaises. Vous entendez bien, hein? Parce qu'il y a haut-parleur maintenant. Oui, Daniel, et liberté d'expression. J'ai acheté le haut-parleur hier. Invitez vos amis camerounais que vous connaissez, s'il vous plaît.
Myriam épouse Apia. J'ai eu l'idée maintenant, là, et puis j'ai décidé de faire la vidéo. Ça fait que je n'ai pas cherché la signification. Désolé, habituellement je fais ça, mais là je l'ai fait là, tout de suite, là. C'est pourquoi je n'ai pas... Hommage à nos frères et sœurs du Cameroun. Bon, rebonjour à tous. Bon, maintenant, on va aller dans le donglo. Donglo, do. Je disais que j'ai été invité par une association ivoirienne pour aller rencontrer leurs enfants et puis leur parler de la Côte d'Ivoire, leur raconter des histoires aussi, leur parler de l'hymne national, du drapeau de la Côte d'Ivoire, parce que la plupart de leurs enfants sont nés ici. Et je le fais avec vraiment beaucoup de plaisir. Je suis très honoré que des frères m'appellent, qui pensent à m'appeler moi pour aller parler de notre pays et puis essayer de donner l'amour du pays à ces enfants-là, même si en général, ils ne sont pas encore allés là-bas. Donc, je m'apprête à partir, là, je suis prête, mais j'ai eu l'inspiration. J'ai dit, bon, je vais faire rapidement un direct pour envoyer un message à nos frères et sœurs du Cameroun pour ce que vous savez qui se passe actuellement sur Facebook. Une jeune dame a défrayé la chronique. Bon, cette jeune dame-là, honnêtement, elle ne m'intéresse tellement pas. Ce n'est pas à elle que mon message s'adresse, mais plutôt à nos frères ivoiriens d'abord pour ne pas faire des amalgames. Elle a utilisé le Cameroun dans son direct. Il ne faudrait pas qu'on fasse des amalgames et qu'on se mette à détester les Camerounais, par exemple. Et il faut que les Camerounais comprennent aussi que nous les aimons. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, merci Serge Gassien. C'est l'histoire qui se passe dans un village. Un jeune homme qui était devenu un grand chasseur. Et chaque fois qu'il allait à la chasse, quand il amenait ses prises-là, il découpait et il partageait aux autres personnes du village. Et pourtant, son oncle habitait dans le village aussi. Tous ses parents étaient morts et c'était le dernier parent de sang qui restait avec lui. Et jamais il n'allait chez son oncle sous prétexte que si, tout ça. Et l'oncle, il voyait ça. Tous les jours, c'était comme ça. Chaque fois qu'il revenait de la chasse, il donnait les choses aux gens. Il n'allait même plus chez son oncle. Pourtant, c'était le frère à son père. Donc, ils avaient des liens de sang. Et le temps a passé. Et puis, un jour... dans son rêve, la nuit, il a vu son père qui lui a dit, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Tu es avec mon frère dans le village. Et quand tu vas à la chasse, tu viens avec la viande, tu distribues aux autres membres du village et tu n'emmènes pas chez lui. Donc il a donné des raisons. Oui, c'est si, c'est ça. Il dit, oui, mais tout ce que tu dis là, je suis d'accord avec. Mais il est malade actuellement, il est fatigué. Qui va l'aider? C'est ton parent. Et quand il s'est levé le matin, il a eu une inspiration. Il allait chez un gars du village. Il dit, vraiment, je suis allé à la chasse et puis j'ai voulu tuer une antilope. Mais je ne sais pas comment je me suis arrangé. Quand j'allais prendre l'animal, c'était un être humain qui était à la place. Donc vraiment, est-ce que tu peux venir m'aider? La personne a dit, quoi? Toi aussi? Comment toi, un grand chasseur comme ça, là, tu peux aller confondre? Ça, c'est n'importe quoi. C'est faux, je ne te crois pas. Il dit, c'est vrai. La personne dit, non, moi, je ne suis pas dans les choses comme ça, là. Je ne peux pas cautionner ça. Il a fait le tour du village,
Chacun a trouvé un argument pour ne pas l'accompagner parce que il avait tué quelqu'un sans faire attention. Désemparé, il est allé voir son oncle. Et il a dit à son oncle, « Tonton, vraiment, je te demande pardon. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là. Mais voilà le problème que je viens d'avoir. Je suis allé à la chasse, j'ai bien vu l'antilope. J'ai tiré. Malheureusement, au moment où je partais prendre l'animal, j'ai vu que c'était un être humain. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. » Son oncle lui a dit, « C'est bien mon fils. Moi, je suis ton oncle. Je suis ton sang. C'est vrai, il s'est passé des choses entre nous. Je suis un être humain, j'ai fait des erreurs. Je t'ai présenté mes excuses après, mais tu n'as jamais voulu les accepter. Mais le lien de sang qui me lie à toi, là, jamais on ne va couper ça. Allons, je vais t'accompagner. » Donc, il est allé avec son oncle à la chasse, là où il avait tué l'antilope. Ils arrivent, l'antilope est là. Son oncle dit, « Aïe, mais tu n'as pas dit que c'était un être humain ?» Il dit, « Non, j'ai fait exprès. Pour voir qui était vraiment avec moi. J'ai rêvé à mon papa cette nuit. Et il m'a parlé. J'ai compris. Quand je me suis levé, c'est l'inspiration que j'ai eue. Donc, j'ai monté ce coup-là. J'ai fait exprès pour voir qui était prêt à se mouiller pour moi, qui était prêt à tremper son sang dans le mien. Je n'ai pas eu un seul membre du village. C'est toi, mon oncle, que je suis venu voir. J'ai dit, je vais faire la même chose pour voir. Et tu m'as suivi. Et pourtant, tout ce temps-là, je n'étais jamais fait signe. Et il a coupé la viande en deux. Il a donné l'autre partie à son oncle. Et il est parti, il a allé chez lui avec l'autre partie. Donc, les liens de sang, on ne peut pas les couper. Je veux rendre, comme j'ai dit, hommage aux frères du Cameroun. Dans une famille de 10 enfants, 20 enfants, il y a toujours deux qui sont très proches. Pas parce qu'ils n'aiment pas leurs autres frères, mais on se prend deux dans les familles. Souvent, c'est avec un frère qu'on est proche, souvent c'est avec une cousine qu'on est proche, mais ça, dans toutes les familles, ça existe. Il y a toujours un avec qui on est toujours plus proche. Nous sommes une famille sur le continent africain. Nous sommes une famille humaine d'abord. Maintenant, sur le continent africain, nous sommes tous des frères parce qu'on vient de la même terre. Mais il y a des peuples avec qui on est plus proche. Et le Cameroun est un peuple qui est très proche de la Côte d'Ivoire. Plein de pays nous ont accompagnés dans la crise. Mais le Cameroun a eu un comportement exemplaire, a eu un comportement fraternel. Ils ont pris des risques. Même jusqu'à dans leur Assemblée nationale, ils ont refusé que notre ancien président de l'Assemblée nationale siège parce qu'il n'était pas content de son attitude. Le Cameroun s'est tenu à côté de la Côte d'Ivoire dans ses difficultés. Alors c'est en pensant à tout ça et en souvenir de tout ça et pour dire que les liens fraternels ne peuvent jamais être rompus. Alors c'est pas une vie indirecte d'un seul individu qui va mettre à mal nos relations fraternelles. Alors je voulais vous faire un gros bisou à tous les Camerounais et Camerounaises et encore vous faire écouter Moni Bilé qui est un des piliers, un des monuments de votre histoire culturelle, en tout cas sur le plan culturel, sur le plan musical. Moni Bilé est un monument du Cameroun. Alors, gros bisous à vous. Je vais me presser pour aller, parce que je dois prendre une voiture pour aller là où je dois aller parler de la Côte d'Ivoire à des Ivoiriens, à des enfants Ivoiriens qui sont nés ici, qui ont sûrement la citoyenneté canadienne, parce que quand on est ici au Canada, c'est leur loi, on a automatiquement la citoyenneté, mais leurs parents sont Ivoiriens, et ils sont Ivoiriens. Alors, je vais leur parler de leur pays, leur raconter les merveilles de leur pays, et puis leur faire des contes en même temps. Alors, je m'en vais, je vais vous faire écouter encore une fois Moni Bilé, et j'envoie un gros bisou à tout le Cameroun, à toutes les Camerounais, à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises pour leur dire officiellement merci pour ce qu'ils ont fait à nos côtés pendant notre crise. On est ensemble et on ne va pas se laisser distraire. Personne n'est capable de couper les liens qui nous lient. On est très, 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 très liés. Bisous, bisous, bisous à vous Cameroun et mouah. Moni Bilé, hommage aux Camerounais et Camerounaises.
Hey, j'ai acheté des haut-parleurs, hein. Donc maintenant, on n'a plus de problème avec le son. Je redis encore que c'est un hommage aux frères et sœurs du Cameroun qui ont été avec nous dans les moments de crise, parce qu'on est très proche d'eux. Parce que dans une famille, il y a toujours des enfants qui sont proches les uns des autres. Nous, on est très, très, très proches des frères du Camerounais. Ils nous l'ont démontré pendant la crise. Et il y a une vidéo, un direct qui a défrayé la chronique sur Facebook ces derniers jours-là. Donc, comme je dis, la personne qui a fait la vidéo ne m'intéresse tellement pas que je ne vais même pas mentionner son nom. Mais je voudrais que les Camerounais et Camerounaises sachent, de toutes les façons, ils le savent, parce qu'ils ont décidé de prendre fait et cause pour nous, qu'ils sachent que nous les aimons très fort. Nous sommes très reconnaissants pour ce qu'ils ont fait avec nous dans cette crise-là. Et rien ni personne ne pourra briser ce lien qui nous lie avec aux frères camerounais. Alors, je vous fais encore un gros bisou. Et puis, ceux qui ont envie d'écouter la musique-là, c'est Moni Bilé. Et le titre de la chanson, c'est Ozi Tapa Lambolam. Bisous, bisous. Bon week-end. Bon samedi. Je vous aime très fort. J'ai des amis camerounais sur Facebook. J'ai des amis camerounais ici au Québec. Je vous envoie tout mon amour et toute ma reconnaissance pour ce que vous avez fait. Ne touche pas à ma chose. Bon, Diamant Valvi, merci beaucoup. Ne touche pas. Regardez, on dirait que je savais même, puis j'ai choisi la chanson, sans le savoir. Il y a une soeur qui vient de me donner la signification de la chanson. Ne touche pas à ma chose. Ne touche pas à mon Cameroun. Ne touche pas à mon Cameroun. Même pour ton buzz sur Facebook, je ne mentionnerai pas ton nom parce que tu n'as tellement pas d'importance à mes yeux. Tu ne représentes tellement rien pour moi que je ne vais même pas prononcer ton nom pour te faire plaisir. Toi qui as fait le buzz sur Facebook, ne touche pas à ma chose, ne touche pas à mon Cameroun. Ne touche pas à mes liens, aux liens qui me lient au Cameroun. N'essaye pas de m'opposer à mon frère camerounais. N'essaye pas de m'opposer à ma soeur camerounaise. Parce que ce qui est entre nous là, personne n'est encore arrivé à briser ça. Donc ce n'est pas toi, un simple individu. Sans substance, sans consistance, qui va venir briser ça. Jamais. Merci Ousmane Sissav. Nous sommes Africains. Nous sommes de la même famille. Alors jamais, on ne doit permettre qu'un d'entre nous vienne mettre la division. Jamais. Alors c'était mon message aux frères et sœurs du Cameroun. Gros bisous à vous. Avec Moni Bilé, je vais m'empresser pour aller à mon invitation. Et bisous encore. Je vous aime.
Bon, c'est bon maintenant. Bisous. Bye bye. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, à vos frères et sœurs camerounais que vous connaissez. Et puis, on va clore ce chapitre-là parce que c'est pas important, hein.